pense que t'as mis une heure, pour voir, une heure et quart, voire une heure et demie. Hein. Ouais, non, non, là tu touches, attends. Je suis la bétonnière. Ah oui, la bétonnière, allez la bétonnière. Aujourd'hui j'ai 5 enfants. Bon bah la journée commence bien. Ouais. Les piquets ça va pas, ils font que 2m50. Bon, j'espère que vous allez bien entendre parce que là aujourd'hui on a un vent. Bouh, il fait froid. On se croirait pas au Maroc. Hein, salut Zazou, tout va bien. Eh oui, les vêtements noirs ici ou foncés, eh ben ça reste pas longtemps propre. Waouh, ce vent de fou qu'on a. Je vais vous montrer les matériaux sont arrivés pour faire la chape. Ils devaient arriver avant-hier matin. Finalement, il s'est arrivé hier après-midi. Oui, c'est comme ça ici, faut pas se formaliser. Du coup, quand ça marche pas trop comme on l'avait imaginé, ben on patiente, on patiente. Salam alaikum. La baisse. Ça va? Bon. C'est bien. Alors, ils ont mis à plat. Et alors là, béton à l'ancienne, les gars. Regardez, on n'a pas de bétonnière. Regardez si elle est bien, cette bétonnière. Regardez. Allez la bétonnière. Bonjour, je m'appelle Teuse. Non, tu t'appelles Tonnière. Non, je suis la bétonnière. Ah oui, la bétonnière. Allez la bétonnière. Eh, ça va, c'est bétonnière marocaine, écoute. Ça va? Ça se passe bien, le bétonnier. Le gravier? Le gravier, 4 de ça, allez. Oh putain! Et ils vont improviser une bétonnière sur place, là. Vous connaissez Vie ma vie? Vie ma vie de maman, en fait. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Normalement, c'est inverser les vies, mais là, c'est ma vie à moi toute seule. J'en ai deux qui font de la pâte à modeler. Oui, aujourd'hui, j'ai 5 enfants, on est d'en avoir 3. Un grand qui embête les petits. Voilà. Et les deux filles qui font l'école. Elles ont un bug cérébral sur le verbe être, apparemment. L'infinitif, c'est le verbe non conjugué, encore une fois. Je sais, maman, je connais les présent. Mots, je n'ai pas le bon orthographe. Et ben oui, ben c'est et bien moi, ce que en orthographe, je suis... Alors que normalement, c'est quelque chose qu'elle connaisse depuis belle lurette. Hein. Donc on va refaire un petit point. Il quoi? J'ai mélangé trois tartes pour faire une nasi grosse. Fais gaffe toi, après c'est pas je te pars. Mon homme Paris, c'est une espèce d'autre poisson rare. Allez, un point sur l'avancée de l'infirmerie. Ça avance, ça avance. Je précise qu'on travaille qu'avec une seule pelle. Oui, vous travaillez avec une seule pelle. Et on se croirait pas trop au Maroc, dis donc. Hein. Ouais. On se croirait pas trop au Maroc, hein, quand même. Hein. Non, il fait froid. Le temps, là. Hein. Il fait froid. Ou alors, on s'est bien acclimaté au pays. Oui, je crois que c'est ça. Et on ressent l'hiver, là. Là, je pense. Ouais. Ah, on est un peu marocain sur les bords, là, je crois. Allez, la bétonnière. Touille, touille.
On va bosser sur la vidéo, sinon ils vont croire que je prends le rien. Je vais graver. Mais toi, t'es la bétonnière bis. C'est... En fait, il y en a un qui charge le gravier, l'autre qui charge le... Bon, c'est pas très pratique, hein, cette histoire. Mais bon. Et avec les moyens du bord. Il y a des parents qui se plaignent parce que leurs enfants, ils ne supportent pas, ils n'arrêtent pas de se battre. Si. Moi, je suis fatiguée parce qu'ils s'entendent trop bien. Je serai la source de ta mort. Une fois que j'aurai récupéré ton bunker. On voulait vous faire une vidéo entièrement sur la construction de l'infirmerie. J'espère que vous entendez bien avec le vent. Bref, ça va être un petit peu compliqué du coup de vous faire une vidéo entièrement sur l'infirmerie. Parce qu'il y a le temps de séchage de la chape qu'on n'avait pas compté. La chape est finie, bon, ils ont fait quand même, ils ont plu, hein, ils n'avaient pas de règles ni rien. Donc c'est pas super droit, Yoyo pas super content, mais bon. En tout cas c'est fait, voilà. Et donc là ils ont fait une pente douce, voilà, ici. Au fond il va y avoir donc les trois niches et une table et tout ça, comme ça en plus le vétérinaire pourrait être à l'abri pour le faire. Donc ils vont mettre des bambous là comme ici, tout autour, voilà, et faire un toit aussi. Bon bah la journée commence bien. Ouais. La journée commence bien, et les piquets ça va pas, ils font que 2,50 m et pas 3 mètres. Du coup, ils vont pas sur l'infirmerie. Une journée qui commence bien. Alors, là par contre, c'est pas cool. Parce que du coup, en fait, je sais pas si vous voyez, mais ça va pas de là à là, en fait, ils sont trop courts. Celui-là, il est plus grand. Celui-là, il est plus grand. En fait, je suis en train de calculer. En fait, il a fallu que je calcule ce qu'il me fallait en même temps de choisir les bois. Donc ça se trouve, je me suis trompé. J'ai pris les poteaux en 2,50, ça c'est sûr. Ça, j'ai dû les prendre en 2,50. Et celui-là, il est plus long, hein. Oui. Je me suis trompé dans les poteaux, c'est tout. Celui-là, il va y aller. Ouais, c'est bon. Celui-là, il y va. Mais il nous en faut trois, comme ça, en fait. Tu veux le dépasser ou pas, là? Ah, putain, on va pas tenir ce connard, là. Tu veux le dépasser de ce côté-là? Ouais. Non, pas du tout. Bah, 10 et 10, en fait, là. Okay. À peu près. Ça tient, hein? Ouais. Là on a 3 mètres, donc ça, on a assez. Mais il fait 5 mètres de long, on a 4 mètres. On va le laisser dépasser de 50 cm de chaque côté. Parce que là je suis à 2,30, donc tu vois à 2 mètres. Milo. C'est-à-dire que le bambou lui va arriver là, et là tu vas arriver là. On ferme. Ouais, mon clou, mon trou est pas terrible, c'est ça? Non, la taille du poteau. Ça va, là, on voit pas trop la démarcation de la table du tout. Non. On se joue, oui, quand même. Celui-là, là. Vous avez besoin d'aide pour porter? Allez, on va sur le deuxième. Vas-y. Alors, t'es sûr qu'il faut... Oui, le mètre de large? Oui. Ça va pas plus, ça va pas. Oui. On va pas se plaindre. Je viens de repousser la main de l'échelle. Vous l'avez ouvert au moins? On prend pas la gueule. Non, on va aller l'ouvrir maintenant. Il faut trouver où est-ce qu'il s'ouvre. Là, t'as des fils. Oui, il était dans le coma. Bah, ça avance bien tout ça. Si j'ai du monde qui a envie de m'aider. L'infirmerie est terminée. Ou en tout cas, ces murs sont terminés. La porte est en train de se faire.
Ouais. Papa, je préfère taper un vis. Hop là, pardon. Je préfère taper un vis. Non, regardez. Donc là, il va y avoir les niches et puis une petite table pour pouvoir faire les soins aux animaux. Et en tout cas, on voit tout de suite qu'il fait bien frais dedans. Allez, zou. Ah ben voilà, on est allé remplir l'eau. Ben en fait, quand on est parti remplir, il faisait jour. Mais comme il faut une heure pour remplir l'eau, une heure et quart même, hein, je crois même plus que ça. Je sais pas quelle heure il est, mais je pense que t'as mis une heure et quart, voire une heure et demie. Hein. Ben du coup, on rentre de nuit. Alors là, ça va être un concept assez sympa parce qu'il faut rentrer en marche arrière à l'intérieur du portail de nuit. Magnifique, l'idée est trop bien. Les moments de vérité, ouais, c'est est-ce qu'on voit bien avec les feux à l'arrière? Là, tout va bien. Oh. Oh, le rétro. Là, on voit pas. Le rétro, là-bas, il a touché. Ouais, non, non, là, tu touches. Attends. Comment ça se fait que tu touches ? C'est vers l'avant. C'est vers l'avant. Vers l'avant. Le rétro. Ah, vers là ? Ouais. Vers moi ? Non, c'est vers l'avant. C'est bon. Je le remets. Hop là. Youh. Je crois que t'as joué quel coup. T'es à peu près là. Vas-y. J'y vais. Oh là, on voit un peu mieux. Une nouvelle soirée se prépare. Et vous avez vu, on est pareil. Hein. Les bonnets. Et j'ai un beau bonnet à pompons. Hein. Je sais pas si vous voyez. C'est beau mon bonnet. Les bonnets. Ouais, j'ai un bonnet. Les bonnets. Les capuches. Et veste, pull, c'est l'hiver, voilà. Hein. Allez, donc dans la nouvelle soirée, la popote pour tout le monde, un gros plat de purée. Ben là, il y en a qu'un, mais en fait, va y en avoir au moins trois comme ça, au nombre où on est. Et le petit feu. Et oui, c'est rituel, hein. Le feu, c'est sacré. C'est la vie. Et les graines, mais les graines, elles ont souffert. Je suis épuisée. J'ai fait deux tours de ronde longe, c'est bon, je suis morte. Dans les crânes. J'ai fait le cheval. T'as fait le cheval ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Ouh, vous avez les fesses à Youyou ? Attends, je vais l'attacher. Ouh là là, ça sent la cabane, ça. Super papa. Et voilà, regarde, une super cabane. Je teste si c'est trop chaud. Et vas-y, rentre dedans. Je teste. Tu testes ? Non, mais tire pas dessus. J'ai trop. Allez, allonge-toi dans la cabane. Allonge-toi dans la cabane, regarde, on peut même faire. Regarde.
Je vais même mettre un bout comme ça. Comme ça, il tient la cabane un peu plus en l'air. Et là, t'as vu? C'est génial. T'as vu comment on fait une cabane en deux? Ça te plaît? Ça te plaît ou pas? Oui ou non? Ça te plaît pas, j'enlève. Ça plaît moyen. J'enlève? Est-ce que tu mets une seule araignée? Oui. Tu fais deux maintenant? Non. Le demain, tu l'auras fait. Ah oui, Noah, il voudrait un télescope. Allez, à demain, Noah. Demain, on ira le chercher son télescope. Bah alors, papa, t'as fait une cabane? Ouais, on a fait une cabane en deux. Quand tu sais. Ouais. Quand tu sais que tu habites chez ton chat. Alors là, comme vous la voyez là, elle attend assise devant sa gamelle que quelqu'un vienne lui mettre des croquettes en fait. Qu'est-ce que ça tombe, mine? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et comment elle connaît le bruit de la boîte? Mimi, il faut que tu ailles là où tu sois à la diète. Et voilà. Pour là. Oui. Décale. Aujourd'hui, il y a balade à cheval. Décale. Allez, pousse encore. Allez. Allez, voilà. Alors Alice, elle va partir avec Herman, Noémie avec Drakkar et Hello va partir avec Sanka. Hop. Mais alors avant de partir en balade, eh ben c'est tout plein de choses à faire. Décale-toi. Faut d'abord les brosser. Décale-toi. Voilà. Non, de l'autre côté. Décale. 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 Ah, mais il se rapproche. On se prépare pour la balade. Bah pousse-le. Tu pousses. Décale. Comment je t'ai appris? Comment je vous ai appris, hein? Là. Vas-y. Décale. Faut, non, c'est pas le Drakkar que tu dois décaler là. C'est Sanka. Décale. Que tu sois sûr de ce que tu veux en fait. Voilà. Tu trouves dans ta tête, tu dis ok, il va décaler. Allez, fais-le. Décale-toi. Allez. Bien, il a une prépare. Appuie le ventre. Décale. Je fais les pieds de Herman ou pas? Décale-toi. Allez. C'est vraiment pas vrai. Il sait très bien le faire. Eh. Oh. Eh. Dépêche. Non, mais sans le cas, là, t'abuses. Hein. Il a décidé que non. Sanka a décidé de faire sa tête de cochon aujourd'hui. Je te montre après comment tu fais. Ouais, ouais. D'abord, je fais le bouchon, je finis de le brosser et je te montre comment on fait. Ok. Les deux endroits importants à brosser. Il y a deux endroits quand tu poses ta selle. Quels sont les endroits les plus fragiles du... Ah, bah voilà. Là et là. Et ça s'appelle comment? Le garrot. Ah, bah voilà. Alors, qu'est-ce que tu lui mets, Alice? Le tapis et la protection. Et Herman, c'est le rouge parce qu'il a des allergies. Ouh. Celui-là, il se trempait. Attrape ton... Ouais, parce qu'autrement, ton pied bouge. Ça, t'as plus de... Ouais, c'est une pompe de surface. Allez, rentre dedans, hein. Parce que là... Et tu oublies pas de... dégarrotter. Tu te souviens ce que c'est dégarrotter? Oui. Voilà. Tu rentres sur ici. Tu vois? Hop. Tu fais le lit. Ici aussi. De chaque côté. Oui. Pas au milieu. Et t'as expliqué oui. C'est quoi? Parce que ça s'appelle comment? C'est la voilà. Et de ça, tu me sens. Et là, je retire ce que j'ai dit sur le sport, que c'était pas un... que le cheval c'était pas un sport. Mmh. Je retire ce que j'ai dit. Tout de suite, vaut mieux parce que tu vas voir tout à l'heure. Tu enlèves le licol, Aldi, ou pas? Il est où? Il est là-dedans ou dans la voiture? Je sais pas, il est bleu. Ah. Allez, petit Sanka, mets ses petites chaussons, chouchou. Vous avez vu, il a les mêmes chaussons que sa maîtresse.
Ouais, ça peut pareil. Hein? Allez, et beau chausson à maman. Carapuce est de sortie. Ça va, Carapuce? Elle vient voir les copines, mais les copines, elles se cachent. Plus aucun réflexe. Non. Ah bah non. Non, quand on l'a eu, c'est elle le faisait. Quand on l'a eu, c'est le seul réflexe qu'elle avait. Quand il y a un truc qui passait au-dessus, elle se cachait. Non, là, elle est cachée. Excusez-moi. Elle est cachée. Tu parles, elle prend les autres, tu passes la main au-dessus. C'est bien, Sanka, il prend toute la place à lui tout seul, en fait. Voilà. Ouais, je m'entraîne bien. Je sais que normalement il faut qu'il fasse la longueur. Elle a loupé, hein, mais elle a géré toute seule. Elle a pris le cheval, elle est montée sur l'escalier, elle est montée toute seule. Non, si j'ai pas. J'ai pas vu. Ah, c'est un peu long encore. Ouais. Ok, tu refais un tour. Ah, par contre, fais attention quand tu fais tes tours. Tu vas... Après, tu vas tomber. Vas-y. Attends, attends, ça a tourné. Fais toujours attention parce que souvent sur les sangles ou sur les étrivières, là t'as un espèce de petit truc pour t'aider. Ouais. Si tu le mets dans l'autre, ici, ça bloque tout. Là c'est bon. Là t'es pas mal. Ok. Donc tu vas faire attention à là, ta boucle. Cette boucle, autrement elle va te gêner. Donc tu la remontes ici et c'est à ce moment-là. Que je déserre ça pour qu'il descende. Voilà. Hop, voilà. Maintenant, de l'autre tu côté. Mets ton pied et de l'autre côté. Comme Carapuce, hein. C'est la même chose, hein. C'est un diesel. Ah, avance encore. Ok, et là tu attends ici. Ok, on s'occupe de Noémie. Avance encore un petit peu. Lève la tête. On a retrouvé le soleil, c'est la fin de cette vidéo. On va se quitter là-dessus avec les filles qui partent en balade à cheval. Alors je sais, vous avez vu plein de fois la ferme, mais ça nous fait plaisir de faire cette petite parenthèse. À la suite aussi, notamment de la vidéo où Alice s'était donc fait mordre l'oreille par un cheval, eh ben, elle n'est pas du tout fâchée avec les chevaux et elle leur en tient absolument pas rigueur. Elle a tout à fait conscience que c'était juste un accident et que les accidents, ça peut arriver. On se quitte là-dessus, on vous embrasse et on vous dit à bientôt. Allez, encore, encore Alice, allez, là. Allô ? La veste ! Vous êtes là? Moyennement confiant. J'ai la longe. Et je suis à pied. Voilà. Allez, je les laisse partir se balader. Si vous avez envie de voir un peu plus de balades à cheval, je vous invite à aller sur la chaîne des Nœuds Kiffés. Ils vous montreront tout ça plus en détail. Oui, je suis essoufflée, j'ai couru. J'ai couru pour vous faire une jolie prise de vue avec les chevaux. Bon allez, on a dit fin de la vidéo. Et on vous re-embrasse et on vous redit à bientôt. Alors ça a été cette balade. Nickel. Nickel. La belle. Mais je verrai. Et voilà, les derniers moments à la ferme sont arrivés. On se remémore un mois de souvenirs avec des rires, beaucoup de rires, des soirées, des visites. Des découvertes aussi, des moments moins drôles, des moments magiques, un tas de choses qu'on n'est pas prêt d'oublier, avec les copains, des nouvelles rencontres aussi, des moments extraordinaires. Ce sont nos derniers moments à la ferme, on y reviendra bientôt, mais pour le moment, on s'accorde une petite pause pour aller se balader. Un grand merci, un très très grand merci à Elodie de nous avoir accueillis chez elle. À Mohamed et à
tous les Marocains qui nous ont fait passer des moments de fou, qui nous ont fait découvrir à la fois leur culture et leur repas aussi, et avec qui on a partagé nos repas un petit peu plus à la française. C'était des moments très sympathiques. On vous laisse sur ces dernières photos à la ferme équestre de la Roseraie à Taroudante. Et nous, demain, on reprend la route pour de nouvelles aventures. Alors, on a une idée de où, mais vous verrez bien. On va essayer de vous montrer plein de choses, plein d'endroits qu'on aime particulièrement et d'autres qu'on va découvrir avec vous parce qu'on ne les connaît pas. Et après ces 15 jours de balade, on se retrouve à la ferme équestre de la Roseraie pour aller renouveler nos visas. Allez, on vous laisse. Bonjour Laura. Ça passe pas partout ?